Nous sommes au club de golf Révermont aujourd'hui où se terminait le championnat provincial junior tant masculin que féminin. Je suis en compagnie de notre nouvelle reine junior provinciale, Annie Lacombe. Comment est-ce que tu as trouvé ton tournoi en général? Quelles sont tes impressions sur ce titre de championne? Je suis vraiment contente de l'avoir gagné. J'ai vraiment bien joué. J'étais au top de ma game, tant technique que mentale. Donc, je suis vraiment contente de ma performance cette semaine. Ça a été quoi la plus grosse difficulté cette semaine dans un tournoi de trois rondes comme ça? Est-ce que c'est d'être constant à chaque ronde? Oui, c'est aussi d'être là mentalement, d'être présent. Des fois, tu peux être ce qui peut être notre pire ennemi sur le terrain, c'est des fois de ne pas être là, d'avoir des moments d'écart. Puis ça peut vraiment être néfaste pour nous. Mais cette semaine, j'ai travaillé fort toute l'année en fait sur ça, sur être focusé toujours sur mon plan de match, sur ma game, puis d'être présent dans le moment présent. Puis je suis vraiment fière, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup aidé, puis c'était le plus tough. Dans les deux premières journées, tu as été dans le deuxième groupe, aujourd'hui dans le groupe des Miners. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus avantageux? Est-ce que c'était de justement jouer avec des filles qui étaient peut-être, je ne dirais pas un peu plus faibles que toi, mais qui avaient un score un peu plus élevé? D'une certaine façon, c'est plus confortable. Moi, je trouve que c'est pas vraiment challenging. Ça te challenge pas. Je trouve que ça, tu fais juste jouer ta game, mais t'as pas de. Ça te challenge pas, genre, là, il faut que je fasse ça. Ça te souhaite pas, c'est ça, parce que avec Noémie, hier, j'ai joué avec elle aussi, et aujourd'hui aussi, elle fait des tots, là, c'est incroyable. Puis ça, là, ça te motive, parce que des fois, j'étais amenée. Puis elle faisait des longs potes, puis elle gagnait de l'avance. Mais moi, ça me motivait à « let's go, faut que tu le fasses ton bird ». T'as pas de raison de pas le faire, t'es capable, t'as tout le talent pour le faire. Faut juste que tu le visualises pour que tu le fasses. Puis ça donne des motivations de jouer avec des filles qui sont ton calibre. En quelque sorte, j'imagine que ça te permettait aussi de calculer tes risques. Est-ce que tu devais jouer agressif sur tel trou? Est-ce que tu devais... Oui, c'est jouer avec les meneurs, là, ça, c'est très différent parce que tu vois ce que les autres font. Tu vois les stratégies qu'ils prennent. Des fois, comme il y a un trou qu'on peut atteindre en 1 sur un cours 4, j'ai sorti de driver la ronde de pratique, mais les rondes de tournoi, je ne l'ai pas sorti même si je l'ai réussi. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop dangereux pour moi. J'ai préféré me placer, puis d'attaquer après, puis ça a été une très bonne solution parce que je suis sortie avec des points à chaque fois. Tu as 17 ans, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? La saison prochaine, est-ce qu'on va essayer justement de faire un peu plus de tournois amateurs, j'imagine? Oui, je vais essayer de faire beaucoup plus de le circuit canadien féminin parce que j'en ai fait un événement cette année qui a été très bien passé. Ça m'a beaucoup appris en termes de golf parce que les filles, c'est tout un autre calibre comparé à junior. Ça m'a ouvert les yeux un peu sur où que j'étais rendue puis tous les efforts qui me restent à faire, le chemin qui me reste. C'est sûr que je veux faire beaucoup plus amateur, donc ça va être dans mon plan. Mais je veux aussi faire les juniors parce que c'est ma dernière année puis je souhaite quand même gagner les tournois pour ma dernière année. Venir en beau vie. Faire un peu comme Valérie, j'imagine, le doublé junior l'an prochain. Oui, c'est dans mes plans. Super. Annie, félicitations pour ton titre. Merci. On va espérer te revoir l'an prochain. Avec plaisir.